Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du Catéchisme de l'Église catholique et nous en sommes rendus à la partie du Credo et donc du Catéchisme qui est « Je crois à la vie éternelle ». Alors la question numéro 207 du Compendium est la suivante. Qu'est-ce que la vie éternelle? Eh bien la vie éternelle est la vie qui commence aussitôt après la mort. Elle n'aura pas de fin. Elle sera précédée pour chacun par un jugement particulier prononcé par le Christ, juge des vivants et des morts, et elle sera scellée au jugement final. Alors pour étayer ce propos, prenons le paragraphe numéro 1020 du Catéchisme de l'Église qui se trouve sous l'intitulé « Je crois à la vie éternelle ». Dex nous dit ceci. Le chrétien qui unit sa propre mort à celle de Jésus voit la mort comme une venue vers lui et une entrée dans la vie éternelle. Lorsque l'Église a, pour la dernière fois, dit les paroles de pardon de l'absolution du Christ sur le chrétien mourant, l'a scellé pour la dernière fois d'une onction fortifiante et lui a donné le Christ dans le viatique, comme nourriture pour le voyage, elle lui parle avec une douce assurance. Quitte ce monde, âme chrétienne, au nom du Père Tout-Puissant qui t'a créé, au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, qui a souffert pour toi, au nom du Saint-Esprit qui a été répandu en toi. Prends ta place aujourd'hui dans la paix et fixe ta demeure avec Dieu dans la Sainte Sion, avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, les anges et tous les saints de Dieu. Retourne auprès de ton Créateur qui t'a formé de la poussière du sol. Qu'à l'heure où ton âme sortira de ton corps, Marie, les anges et tous les saints se hâtent à ta rencontre. Que tu puisses voir ton Rédempteur face à face.